chérie, tu savais que tes chaussettes sales n'ont pas de petites pattes pour les corbeilles à linge? Et jour après jour, tu fais genre... Tu passes devant ces chaussettes. Non, je les ramasserai pas. Ouais, j'ai plein d'amis, je m'appelle Alain Stinzian. Ouais, je suis trop belle, ça va, ouais. Non, non, moi sur le trottoir, je me décale pas. Le secret, c'est que les mots que l'on emploie soient toujours positifs. Ça t'a fait plaisir, mon amour, que je m'achète une nouvelle robe pour ce dîner? Plutôt que... T'es aveugle ou quoi? T'as même pas remarqué que j'ai acheté une nouvelle robe? Pourtant, j'ai pris ta carte bleue. Où l'on oublie ses souvenirs, oh, allez plus haut, oh, se rapprocher de l'avenir. Ah. Oh, ça va, hein, j'ai fait danser avec les stars, pas The Voice. En ma saison 6, entre lui, Jean-Marc Généreux, Olivier Dion et Véronique Dicker, je peux vous dire que dans les loges, c'était ambiance Canada Dry. En fait, pour éviter de se faire larguer, faudrait réussir à réfléchir avant de parler. Hein? Mais le problème, c'est que ça sort tout seul. Non mais t'es débile ou quoi? Oh, excuse-moi de t'avoir vexé, je pensais que t'étais au courant. Oh, il a mal pris. Oh, le mec, aucun humour, hein? Vous passez votre temps à râler pour rien, sérieux. Tout ce temps perdu. C'est... Nous, au moins, on a une excuse, une fois par mois, pendant 3 semaines. Ah, et pour nous, les nanas, être toujours célibataire après 35 ans, c'est un peu suspect pour un mec. Oui. Pour lui, ça signifie hystérique, névrosé et un gamin dans un an. Bref, gros warning. Il y a des princes d'occasion, ici? Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà fait leur vie, qui ont refait leur vie? Oui, mais c'est bien, c'est écolo. Et un jour, si je rencontre l'homme de ma vie, le vrai, c'est moi qui peindrai les murs de ma nouvelle vie. Et ça ne sera plus un prêt pour me sauver de l'amour, mais bien l'amour qui sera dans ce prêt. Oh.